Yo t'a parlé de commissaire à prendre réquisitoire, commissaire et commissaire saisi de tel dossier, de tel. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer et amis auditeurs, aux téléspectateurs, comment, premièrement, yo parlé de commissaire ou du moins parquet saisi de tel dossier et puis yo t'a des commissaires parquet rend tel réquisitoire. C'est qui ça, bagaille ça, oui? Ok. Alors, pour nous retourner dans ce sujet, nous trouvons un fonctionnement commissaire du code. Par exemple, nous disons lorsqu'on crime ou on délit commis dans une zone, maintenant, c'est que chaîne pénale l'a voulu que la police qui est sur les lieux d'abord, c'est comme ça que vous faites, excusez-moi. Après la police, le juge de paix est intervenu pour dresser des procès-verbaux. Et puis, si quelqu'un est arrêté, quelqu'un qui est en flagrant délit, tu as tout arrêté. Si vous n'avez pas quelqu'un qui est là, donc le juge de paix a toujours mettre une ordre que les madame. Et puis après, le juge de paix a fait sa renouvelle information préliminaire sur tout le monde, avec procès verbal de constat, si son monde qui mourit, si son infraction capable de prouver par arme, par papier, etc., etc. Après, le juge de paix a fait une information préliminaire, l'a déféré le dossier par le commissaire gouvernement. Maintenant, une fois que le dossier arrive au commissaire gouvernement, le commissaire gouvernement va mettre l'actualité en mouvement. C'est ça que nous n'avons pas saisi. Lorsque le commissaire du remet l'action en mouvement, ça se réalise de deux manières. Bon, troisième tâche de paille de lit, s'il arrive sous le page de Mounan, s'il émet madame, le commissaire met l'action en mouvement également. Mais ma paille dans le cadre classique, côté que ce n'est pas le commissaire qui est allé, c'est le juge de paix. Le dossier est arrivé au bureau du commissaire. Maintenant, en Haïti, malheureusement, il y a un gros livre là-bas. En Haïti, c'est pas l'opportunité des poursuites, c'est la légalité des poursuites. Donc, pour que le commissaire gouvernement soit en mouvement, il faut que un texte de loi qui prévoit infraction. Ça que Simon, dans la première année, toujours connaît, dans l'homme qui mène, dans l'homme qui s'il n'y a pas de texte de loi, il n'y a pas d'infraction, il va y avoir de crime. Maintenant, le commissaire gouvernement, par la rentrée dans le bureau, c'est-à-dire le commissaire gouvernement, lorsque il faut au moins 7 ans d'avocature, maintenant, il faut qu'on triture pour qu'on ait. Qui le ou en présence d'un crime, qui le ou en présence d'un délit. Maintenant, lorsque le dossier est arrivé au bureau du commissaire, le commissaire, dans son bureau étant, il va analyser le dossier. S'il s'agit d'un crime, parce qu'il dit, en matière de crime, l'instruction est obligatoire. À partir du moment-là, le commissaire va rédiger son réquisitoire d'informer. De sa commissaire gouvernement a saisi un juge d'instruction pour mener une enquête, mener une informe, ouvrir un cahier de charge contre tel ou tel, contre X, Y ou Z, qui t'a impliqué dans tel ou tel crime. Maintenant, si le commissaire estime son délit que lié, la rédiger, si mon avis devant, d'après la loi du 6 1927, la fait, la rédiger, d'après la loi, ça bat le commissaire gouvernement. Possibilité, prérogative pour que le commissaire gouvernement fasse sa crée comparution immédiate. Vous êtes là? Maintenant, le commissaire, loi 6-1927, le commissaire gouvernement fait une comparution immédiate, prévient tout là, et tout dit qu'à son nom, prénom, etc. Vous êtes accusé d'avoir, vous êtes prévenu alors d'avoir fait telle ou telle chose, mais tu as prévenu à répondre, et puis dire, ou d'après ça, dire oui, le prévenu si, et puis le commissaire apprend, le doyen doit tout mener devant un juge correctionnel. Le commissaire, le fait, on cas comme ça, de mettre l'action publique en mouvement. Et si cas par flagrant délit. Alors, dire, le fait ça, c'est ça, il y aurait les mener mon en état par devant le juge correctionnel. De ça, le commissaire va mettre l'action publique en mouvement. Et deuxième façon, même si c'est délit, si le délit n'est pas flagrant, le commissaire peut toujours, même si la personne n'est pas en état aussi, parce que vous pouvez obliger en état pour le commissaire gouvernement d'action publique en mouvement. Donc, au cas pour en liberté, ou son délit, je ne peux pas t'arrêter, je ne peux pas obliger à l'arrêter. Et c'est si excès ça, en plus le commissaire fait, je me fais une infraction, pas de flagrant délit, moi cité mon directement au correctionnel. Sans pas besoin d'arrêter. Maintenant, ça, le commissaire gouvernement mettait l'action publique en mouvement. Maintenant, on prend le devant juge, les juger, si on fait peine, si on est en état, mon apto est en état pour la purger peine. Mais si on n'est pas en état, mon a le tribunal, il a jugé. Il m'a demandé de venir, mais il y a une autre procédure, il n'est pas venu, il n'est pas venu, il va y avoir un jugement, il n'a pas fait opposition, il n'a pas fait appel, etc. jusqu'à ce qu'il arrive en cassation. OK?
Mais si mon dans l'état, je juge elle, s'il te prend peine, il prend peine, il a pu juger peine. Et ça fait, ça associe à combattre la détention préventive volontaire. Parce que si chaque fois mon allant en prison, il te gonti petit peine, c'est 6 mois, il au bal, il connaît rentrer dans le mois de septembre, au compter du mois de septembre à 6 mois. D'ici mars. D'ici mars, mon âme est capable de libérer. Nous sommes au mois d'octobre, excusez-moi. Donc, mon âme libéré d'ici mois d'avril, mon âme libéré. Vous comprenez? Mais si mon âme son délit, son crime n'est fait, le juge, le commissaire va saisir, va mettre à son grand mouvement en rédigeant son réquisitoire déformé. Un juge va mener l'enquête. La loi donne à ce magistrat un délai. Un délai de 90 jours. 60 jours pour mener l'enquête et 30 jours pour rendre son ordonnance. Et ça fait des boutons de aussi dans la semaine dernière là, et mandat fini et délai a fini, le juge doit dire, le juge doit date. Vous comprenez? À partir de ce moment-là, je la rends ordonnance dans le délai imparti par la loi. Maintenant, si je la pas prend par un délai dans ordonnance dans délai imparti par la loi bail monde qui est en prison possibilité de faire une prise à partie contre le magistrat instructeur qui pas respecter droit monde. Parce que droit monde au monde la détention préventive pas supposé supérieur à 90 jours. Monde supposé qu'on sort après 90 jours que le rentrer dans prison. Il a fait une prise à partie contre le magistrat. Ça c'est un cas de crime ou de crime. OK, dans cas de crime. Donc on a 90 jours pour le fixer sur sol. Les 4 jours de détention préventive, maintenant faut au moins que tu connais est-ce que m'pas juger tribunal correctionnel, est-ce que m'pas juger tribunal criminel ou bien est-ce que m'a libéré dans les 90 jours. Donc si on te fait ça comme ça, toute corruption a parlé, pas table toute corruption ça. Si les juges étaient en mesure de rendre des ordonnances dans les 90 jours, mon n'a connu arrêté, il y a 90 jours pour faire dans la prison, il a fait 90 jours, après 90 jours, il a fixé sous sol, il a connu est-ce qu'il peut le juger. D'ailleurs, il y a une jurisprudence qui dit pour les crimes de sang par exemple, au moins il faut laisser sécher le sang. Ok? Elle dit qu'il faut attendre au moins 2 à 3 ans au moins qu'il n'a pas fait au crime de sang. Il faut qu'il y ait de là, couler. Parce que lorsqu'on juge un monde, il faut que vous retirez tout sentiment. Parce que lorsque vous faites mourir, vous allez juger mon nom, c'est sûr, bah la fraîche de tout le monde, vous allez prendre en prison, peut-être qu'il va même mériter prendre. Mais si nous faisons couler de là, après 3 ans, avoir gagné plus de marge de manœuvre que le café, au moins quand même jouer une circonstance atténuante. Est-ce que vous comprenez? Mais si comme nous fait pendant bah tout choix, mais ça c'est sûr, tout le monde sous tension, tout le monde sous émotion et la justice pas marcher à émotion. Laisse marcher tête frette. Donc le sac qu'on a commis ce gouvernement, les voies m'ont jugé dans les 30, 60 jours, je vois le à Bali. Et puis une nouvelle qui fait comme ce gouvernement par le travail, il ne respecte pas les délais. Le commissaire une fois que le reçoit un dossier de juge d'instruction, il a 5 jours pour rendre son requisitoire définitif ou un requisitoire supplétif. Mais malheureusement, 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais si tu es une inspection judiciaire, qui t'a demandé des magistrats, mais tu as un dossier, il y a plus de 6 mois, tu n'as rien fait sur le dossier. Le ça, ou tu as pris sanction contre le commissaire du gouvernement. Mais ton commissaire fait 6 mois, il n'a jamais mis un dossier, il va me faire. Maintenant, le coup, il a voué le bali, ça n'est la navette là. Le commissaire a voué le bali de discussion. Il a voué le bali commissaire pour que il conclue. Et puis, quand il y a le bali de juge d'instruction encore, et puis le juge d'instruction a voué le bali. Maintenant, il a voué le bali, c'est lui le commissaire. Son groupe, ton chef, dans ce sens-là. Parce que lui qui a fait obstacle, s'il vous plaît, à la bonne marge de la justice. Est-ce que vous comprenez? Et ceci, c'est pas sans raison, ouais, autorité exécutive, qui met commissaire gouvernement, avec toute la précarité qu'il a gagné. Il est commissaire du gouvernement, mais il n'a pas de mandat. Il n'a pas gagné. Ou quand le bon matin, ou ministre parmi les commissaires gouvernement, mis en mal dormi à Maril, ou bien madame ni, il décide de vous comme ça, il pas gagné l'abdi. Et mal, tout à l'heure, au début de l'émission, en termes d'aspect administratif, un commissaire gouvernement n'a pas de voie de recours. Comme on comprend, un commissaire gouvernement est révoqué, sans motif, sans raison valable, il pas quand même attaqué le ministre, il pas même attaqué l'État, pas devant la Cour des comptes. La loi n'a pas de possibilité ça. Donc, il y a un commissaire gouvernement en précarité. Pour que l'exécutif là, pour le ministre, fasse exactement ça que le commissaire gouvernement fait. Maintenant, ça fait que au joint tout ça, joint dans le système. On dit qu'il n'y a aucune voie de recours, que ce soit au niveau de, ou tu es capable de dire,
yo ta fait du point de vue administratif par devant la Cour des comptes ou du moins par devant la Cour de cassation. Par exemple, si nous prenons le cas de nous-mêmes comme avocat ou non, on ba ou yo prend une décision contre ou une voie de recours qui c'est cassation. Cela veut dire que le commissaire du gouvernement il la guette en petit gabrit. Justement, je pense que ça, monsieur, fait la dessin. Oui, bien sûr. Mais c'est Mabdou, parce que le commissaire a un dossier dans le même. Ça fait l'obliger, garder, et des fois même demander chef. Oui. Amri tel dossier, moi non, et tel, ou pas connaître tel ça. Donc, le commissaire obligé à s'il veut que je me il est obligé qu'on y approche et qu'on est. Est-ce que mon Saham a poursuivi, est-ce que nous pas poursuivi? Qui pas doué comme ça? Il était supposé mettre le commissaire à l'abri, ne serait-ce que moi, à 3 ans. Je ne pas dire 7 ans, mais on a 3 ans renouvelable. Ouais. Par le mandat, avec un système côté que, ou une inspection judiciaire qui contrôle le travail du commissaire gouvernement. Et puis, le commissaire travaille dans le Parlement, par exemple. Son un cas comme ça, moi, imaginé dans tel point. Donc, avait dit que l'inspection a baillé un rapport, et puis, il y a une commission justice dans le Sénat, mettez au niveau du Sénat, mettez au niveau des chambres députés, au niveau du Sénat, qui va le garder pour le est-ce que le commissaire a rempli, durant ces 3 ans, ses fonctions. Maintenant, le sac, il y a un commissaire gouvernement, un mandat. Mais lorsque vous mettez, ou pas parler de rien, n'importe quel commissaire gouvernement, c'est sûr, il n'y a peut-être. On termine un emploi souvent qui dit que les gars sont chaises éjectables. Depuis le chef, il parle de forme de tête, il a dit merci. Suivez tous les dimanches, 6h PM, l'émission Droit sur changement. Droit des affaires, droit du travail, droit civil, enfin, le droit, c'est sûr. Changement FM, avec Maître Jean-Hulbert Jean, avocat, politologue. Droit sur changement, tous les dimanches, 6h PM, sur la radio Changement FM et sur la Téforève, chaîne 48. Droit sur changement, le droit sous un autre angle.